Quels produits sont contaminés par le chlordécone? Quel est son impact sur la santé? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons le professeur Luc Multinier, directeur de recherche de l'INSERM, l'Institut national de santé et de recherche médicale. Et c'est tout de suite, et c'est maintenant, et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous regardez ETV ou vous nous regardez sur EFM RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antilles et notre confrère de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles, est avec nous. Également présent sur ce plateau, Jacques Dancal, rédacteur en chef des magazines de Nouvelle Semaine. Bonjour à vous deux. Bonjour aujourd'hui. Bienvenue dans les studios de TV EFM. Cette semaine, comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons le professeur Luc Multinier, directeur de recherche de l'INSERM. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue dans les studios d'EFM, ETV, RTL, ici à Jarry. Première question, donc vous êtes bien sûr le bienvenu sur ETV. La première question, pouvez-vous tout simplement nous rappeler votre parcours professionnel? Quelles sont vos expériences et en quoi consistent vos travaux de recherche à l'INSERM? Alors, je suis médecin de formation et mes chercheurs à l'INSERM, qui est un institut public de recherche. Je suis épidémiologiste, c'est-à-dire que je m'intéresse aux études des populations, de façon générale. Et mon parcours a été eu plein d'événements. Mais une particularité, c'est qu'au cours de ces 20 dernières années, je me suis particulièrement intéressé aux effets des substances chimiques qui sont répandues dans l'environnement sur la santé. Et un concours de circonstances a fait que je me suis intéressé à la problématique très spécifique du chlordécone il y a maintenant une vingtaine d'années, et en particulier en Guadeloupe. D'accord. André-Jean Vidal, une question de France Antilles. Le chlordécone ou la chlordécone, professeur? Ça ne vaut pas le débat. Parfait. Donc, le chlordécone, un mot qui court sous toutes les lèvres depuis quelques années. Qu'est-ce que c'est, donc, cette molécule? C'est un insecticide qui a été inventé aux États-Unis. Lorsqu'il a été inventé, les autorités américaines ont refusé son usage dans les productions alimentaires parce que... C'était quand ça? En 1960-61. Ça fait longtemps. Et ce qu'on sait très bien, mais qu'on ne dit pas, c'est que l'entreprise qui, en début des années 60, avait inventé cette molécule et qui a essayé de la faire utiliser aux États-Unis, avait produit déjà des données toxicologiques montrant que chez l'animal de laboratoire, ce chlordécone était cancérigène, reprotoxique et neurotoxique. C'est la raison pour laquelle les autorités américaines ont dit très bien, mais on ne l'utilise pas pour les cultures alimentaires. Et on va l'utiliser temporairement sur les bégonias, sur en tout cas des activités, je veux dire, agricoles non alimentaires. Bon. Et ce produit fut par contre un petit peu exporté dans le monde. Et puis aux Antilles, après d'ailleurs plusieurs refus d'autorisation par les autorités françaises au milieu des années 60, il fut réintroduit en 1973, car à l'époque, tous les produits qui étaient utilisés, en particulier dans le cadre de la lutte contre les nuisances dans la culture de la banane, eh bien, tous ces produits étaient devenus inefficaces à cause de résistance. Et ensuite, ce produit fut définitivement interdit aux États-Unis, au milieu des années 70, suite à différents événements, et réintroduit à nouveau, alors fabriqué par d'autres, réintroduit au début des années 80, un peu aussi face au désarroi des agriculteurs, et en particulier de la culture de la banane, qui avait souffert du cyclone Hugo de l'époque, et à ce moment-là, la culture se trouvait face à des difficultés, la culture de la banane, liée à la prolifération d'un certain nombre d'insectes, dont le charançon. Et c'est là que les autorités françaises, dans des conditions qui ne sont toujours pas très éclaircies, ont donné une réautorisation de cette molécule qui fut utilisée jusqu'en 1993. Donc on retiendra qu'en 61 ou 62, on savait que c'était toxique et on l'a utilisé en Guadeloupe jusqu'en 93. Oui, sachant que le gros de la connaissance sur la toxicité de cette molécule, c'est-à-dire sur le danger de cette molécule, est acquis au courant des années 70. Ce qui fait que j'ai toujours dit, je le dis publiquement et je le redis, je ne comprends pas, d'ailleurs personne ne comprend, pourquoi en 1980,
les autorités françaises disent, oui. pouvant disposer mmh. d'un ensemble de données sur lequel il n'y avait pas le moindre doute, je vous rappelle que le Centre international de la recherche sur le cancer, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois à propos du glyphosate, classa le chlordécone comme cancérogène possible pour l'homme en 1979. Et on a continué à l'utiliser pendant entre 20 et 25 ans. Quoi. Jusqu'en 1983, voilà. donc D'accord. 20 ans, pendant 20 Merci. Ans après. D'accord. Alors, question de nouvelle semaine, Jacques Dorcal. Alors, on peut s'étonner, en ayant connaissance de toutes ces données-là, que les services de santé n'aient pas jugé bon d'alerter hein, ni les producteurs ni les consommateurs. Mais la question que je vous poserai, pourquoi vous y êtes intéressé, vous ? Alors, la première question est intéressante, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune raison pourquoi les autorités sanitaires devaient s'y inquiéter, dans la mesure que les autorités compétentes de l'époque, qui dépendaient donc du ministère de l'Agriculture, avaient dit « il est autorisé et on autorise quelque chose lorsque les données toxicologiques montrent qu'on peut l'utiliser avec un certain nombre de précautions, etc. » Donc, il n'y avait pas pourquoi les autorités sanitaires… Voilà. Bon, il s'avérait que moi, je me suis intéressé… travaillais déjà sur la problématique des pesticides en général, que je savais que les cultures de la banane étaient des cultures agricoles, en plus en milieu tropical, qui utilisaient énormément de pesticides, et je suis venu la première fois en 1977 en Guadeloupe pour m'intéresser de la problématique des pesticides en général. Et c'est là que j'ai appris de la bouche d'Alain Kermaret, qui n'est plus parmi nous, directeur de recherche à l'INRA, qui élabora d'ailleurs, à l'intention du ministère de l'Environnement, un rapport extrêmement explicite sur la pollution des milieux naturels à l'adresse donc, du ministère de l'Environnement en 1980. Donc, vous avez compris que par la suite, personne s'en est intéressé. Et donc, Alain Kermarek, vers 1997-98, me parle du chlordécone et me dit, mais voilà, on n'en parle pas. Je dis, mais manifestement, on en parlera un jour. Et effectivement, en 1999, rappelez-vous, découverte dans les eaux de consommation de cette fameuse molécule. Comme j'étais un peu déjà sur place, travaillant sur d'autres dossiers, j'ai vu dans cette molécule, vu quand même son potentiel toxique, que manifestement, et surtout aussi sa très faible capacité de dégradation dans les milieux naturels, parce qu'on sait maintenant et avec certitude qu'on en a pour quelques dizaines d'années, voire quelques centaines d'années, que cela allait tôt ou tard, en tout cas que la question des effets sanitaires allait se poser. Et effectivement, elle s'est posée très rapidement à partir de l'an 2000. Quelle est sa toxicité ? Alors, j'ai mentionné tout à l'heure ce qui avait été établi. Je le répète, le rapport de toxicité de l'entreprise qui a fabriqué. Bien. Ce document-là, qui était à l'époque confidentiel, a été rendu public à partir de 1976-77, suite à un procès qu'il y a eu aux États-Unis, donc disponible, et qui montrait chez l'animal que c'était une molécule qui avait un potentiel cancérogène, type hépatique, qui était neurotoxique, avec des tremblements des membres, et qui était aussi reprotoxique, c'est-à-dire sur la reproduction des animaux. Bien. Depuis, on en a beaucoup appris, beaucoup sur les données animales, qui confirment en long, en large et en travers, je veux dire, tout ce profil. Par contre, chez l'homme, il faut repositionner les choses. Il y a eu, au milieu des années 70, un incident assez important, puisque dans la seule usine qui, à l'époque, produisait le chlordécone, au milieu des années 70, une centaine ou plusieurs centaines de travailleurs qui fabriquaient la molécule, qui travaillaient dans des conditions d'hygiène professionnels tout à fait nuls, se sont trouvés contaminés, mais à des doses très élevées. Et là, ces personnes-là ont développé toute une série de symptomatologies très typiques du chlordécone. Hein. Ils ont été pris en charge, etc. Bien entendu, c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont dit « bon, on le fabrique même plus, on ne veut plus en entendre parler ». Mais on le vend ailleurs. Pardon ? Mais on le vend ailleurs. Ben, c'est-à-dire, à partir de là... On voit la molécule, non, à partir cas, de là, ailleurs. L'entreprise, rentrée dans les détails, qui avait le brevet, c'est a ça. Dit, bon, moi, je ne le fabrique plus, mais est-ce que quelqu'un veut me racheter le brevet ? Et puis, sous un autre nom, on a racheté, voilà. On a commercialisé... Cela a été commercialisé. Donc, les symptômes... Alors, justement, mais ça, c'est très important par rapport au contexte antillais. Ces hommes, essentiellement, c'était des hommes, il y avait très peu de femmes...
ont été exposés pendant plusieurs années à des quantités quand même extraordinaires de chlordécone. Et donc, ces symptômes, c'était, ils avaient des tremblements, qui étaient un syndrome neurologique, qui n'a rien à voir avec le Parkinson. Mm-hmm. Et puis, ils avaient différents problèmes, des problèmes de fertilité et des troubles divers. Il n'y a eu aucun cas de décès directement imputable. Mm-hmm. Et il y a eu un suivi sur une dizaine d'années. Essentiellement, là, on parle des années 70. Milieu des années 70. 75, milieu des années 70. Bien. Donc on les a suivis à peu près. À peu près une dizaine d'années. Alors, ce qui a été observé, c'est que, bien sûr, ils ont cessé d'être exposés au chlordécone et la plupart de leurs symptômes sont devenus réversibles, ont disparu. Mmh. Le problème, c'est que la taille de la population affectée faisait qu'il était très difficile de faire un suivi sur le long terme et de fait, on n'a rien appris. Pour en revenir à la situation connue de nos jours, au moins depuis les années 2000, on est à une échelle de niveau d'exposition qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Néanmoins, comme cela nous l'avions montré il y a presque maintenant 20 ans, la population est contaminée et on trouve donc du chlordécone dans la plupart de la population qui habite. Et la question sanitaire qui a été posée, est-ce que cette contamination de la population par ces niveaux d'exposition peut-il ou pas entraîner des effets sur la santé ? C'est dans ce cadre-là que tous les travaux et les questions ont été posés à l'époque, il y a une vingtaine d'années. André-Jean Vidal, une question de France Antique. Donc les gens sont contaminés ? Oui. On le voit comment ça... Alors, la seule façon d'objectiver la contamination, c'est en mesurant la quantité de chlordécone qu'on a dans le sang. Je dis dans le sang parce qu'il ne passe pas dans les urines. Hein, d'accord, voilà. Ce qui fait qu'au cours d'une banale prise de sang pour autre chose, parce qu'on ne se sent pas bien, parce que, etc., ou même un check-up, on constate qu'il y a de la chlordécone. Non. Alors, non, le dosage du chlordécone, c'est une molécule chimique qui ne peut être dosée que par des procédures technologiques, d'accord, je dirais, extrêmement poussées. Nous-mêmes, nous ne pouvions pas, au début de l'année 2000, utiliser les outils que les Américains avaient déployés aux années 70, parce que la sensibilité des techniques ne le permettait pas. Technologique ou technique ? Technique. Enfin, mais le technique s'accompagne de l'avancement des technologies. D'accord. Voilà, tout est en parallèle. Hein. Et dans le cadre d'une collaboration internationale avec l'Université de Liège, il y a eu une mise au point donc, de ce dosage de chlordécone dans le sang, qui permet donc de détecter des quantités extrêmement faibles. Et cet outil-là, qui est extrêmement onéreux, a été utilisé donc, dans le cadre des études épidémiologiques et de la recherche qui a été menée. D'accord. Donc, ce qui fait que donc, les gens qui vont se faire faire des prises de sang, ils ne contribuent en rien à voir s'il y a plus, s'il y a moins, si là. Parce que il faut donc faire des entre guillemets, expériences particulière. Bon. Alors, peut-on dire qu'il y a tant de personnes contaminées, etc. Tout à fait. D'accord. Vous posez une double question. Absolument. Je commençais par répondre par la deuxième. Parfait. Tous les travaux que l'INSERM a menés au cours de ces 15-20 dernières années, chez les hommes adultes et femmes adultes, chez les femmes enceintes, chez les nourrissons, chez les enfants. D'accord. C'est toujours des populations issues de la population générale. Un point très important, c'est que par exemple on prend la cohorte mère-enfant-timoun, c'est une cohorte de femmes enceintes et d'enfants qui ont été suivies en 2004, eh bien c'est un ensemble de femmes qui ont accouché au CHU de Pointe-à-Pitre, au centre hospitalier de Basse-Terre, y compris quelques-uns à la polyclinique, et c'était la population tout venant à qui on leur demandait, acceptez-vous de participer à une étude. – Sur la base volontariat et d'un groupe bien précis. – Bien précis. Parfait. Et pour un bon épidémiologiste, l'un des points critiques, c'est que l'échantillon sur lequel de la population volontaire, il soit représentatif de la population cible, dans ce cas-là de la population Guadeloupe. Et donc à travers nos études, nous ont amené à faire près de 5000 mesurages. Bon. Voilà. Et ça nous a donné une jolie photographie parfaite, enfin assez parfaite donc, qui nous permet de dire qu'effectivement la majorité de la population, il y a 15 ans
et au jour d'aujourd'hui, restent contaminés, même s'il y a eu une évolution plutôt positive, dans le sens que les niveaux d'exposition de la population diminuent. On voilà. s'aperçoit qu'il y a moins de... Qu'il y en a moins, ouais. ce qui est normal, vu quand même D'accord. des mesures qui ont été prises en place, le contrôle des eaux avec l'installation des filtres à charbon à partir début des années 2000, et quelque ouais. chose de très important, ce sont les arrêtés préfectoraux de 2005 qui ont essayé de réglementer les cultures, en particulier de légumes racines, sur des sols pollués. Et ça, ça a été probablement l'une des mesures les plus efficaces pour faire que la population soit moins exposée qu'elle ne l'était jadis. Il y a une question que je veux, qu'on peut se poser, puisqu'on a parlé tout à l'heure aux États-Unis des personnes qui travaillaient au contact de la molécule. Tout à fait. Et on n'a pas étudié la population qui travaillait dans les bananeraies. Voilà. Je sais qu'il y a eu des rapports, alors, mais qui n'étaient pas directement liés à ça. Mais est-ce alors, qu'on a des données? Oui, bien sûr qu'on a des données. Et on a trois types de données. Là aussi, il y a beaucoup de données, mais il y a un vrai problème d'ailleurs, entre parenthèses, de communication et d'information de la part des autorités. Moi, je suis un chercheur, je fais mon travail, je publie dans la littérature internationale. Bien sûr, j'accepte vos invitations de tout le monde, mais je ne peux pas... voilà, mon métier, ce n'est pas de transformer l'essai, ça, c'est l'essai aux autorités. La première étude que j'ai faite, entre 1978 et 2001, c'était une étude sur l'impact de l'utilisation des pesticides en général sur la fertilité des travailleurs agricoles de la banane. Et ce fut une étude où on a comparé des travailleurs salariés de la banane, travaillés essentiellement en basse terre, avec des salariés du secteur non agricole, habitant toujours basse terre, avec l'aide de la médecine du travail de l'époque. Et globalement, on n'a pas vu, que ce soit pour les pesticides en général et sur le chlordécone en particulier, au niveau auquel la population était exposée, je dis bien en 2000-2001, d'effets importants des niveaux constatés à ce moment-là entre le chlordécone et la fertilité des individus, qu'ils soient ouvriers agricoles ou pas ouvriers agricoles. La deuxième information qu'on a obtenue à ce moment-là, c'est que ce qu'on a constaté, c'est que les travailleurs agricoles de la banane en 2000 avaient dans leur sang plus de chlordécone que les salariés du secteur non agricole habitant en basse terre. Bon. Beaucoup d'entre eux avaient travaillé avant 1993, c'est-à-dire qu'ils avaient été en contact professionnel avec le chlordécone. Mais néanmoins, rien à voir avec ce qui avait été observé jadis aux États-Unis. Donc on m'a dit, mais ça veut dire alors que, puisque vous n'observez pas d'effet sur la fertilité, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je dis non, attention, je n'observe pas d'événements au jour d'aujourd'hui, mais je ne peux pas prédire ce qui s'est passé chez cette population de travailleurs agricoles entre 1973 et 1993. Et peut-être qu'il y a eu des hommes qui ont eu des soucis de fertilité à l'époque, mais pour lesquels je ne peux pas, on n'a pas le moyen de revenir en arrière. Pardon. Voilà, parce que ça c'était ça. Donc ça c'est des éléments. Et le dernier qui est en cours, qui est la reconstitution d'une cohorte historique de travailleurs agricoles de la banane en Guadeloupe et en Martinique. Alors, ceci est fait entre l'INSERM et Santé publique France. C'est un travail de Romain, parce que imaginez, à partir des archives, reconstituer ceux qui ont travaillé et pour lesquels on a une documentation, parce qu'il fallait être enregistré, je veux dire, c'est-à-dire tous ceux qui sont les sans-papiers clandestins, les non déclarés, imaginez, mais au moins les déclarés. Bon, alors, cette reconstitution est presque, n'est pas totalement exhaustive, mais en tout cas, ce sont plusieurs milliers, est en train d'être finalisée, et l'objectif, maintenant, c'est de savoir si cette population de travailleurs agricoles de la banane, qui forcément ont été en contact professionnel avec le chlordécone pendant cette période, ont-ils un taux de décès et quelles seraient les causes de décès imputables différents par rapport au reste de la population générale. Autrement dit, voir s'il y a une surmortalité ou pas de cette population et s'il y a surmortalité à cause de quoi. Ouais, c'est passionnant. Par grande cause. Donc voilà, c'est...
les résultats, si, puisque vous allez sûrement me poser la question, c'est quelque chose qu'il faudra prévoir, peut-être pas cette année, mais courant de l'année prochaine. En tout cas, on va essayer de répondre rétrospectivement ce qui a pu se passer jadis. Est-ce qu'on peut savoir vraiment le nombre de contaminés? Est-ce que ça, c'est vraiment tout le monde ou c'est vraiment Alors, le chlordécone est une substance qui ne doit pas être présente dans un organisme vivant. Bien. Et les techniques que nous avons pour doser, tout va dépendre de leur sensibilité. Entre les techniques que nous avons utilisées en 2001-2002 à l'époque et celles d'aujourd'hui, on a amélioré presque par un facteur 100 la sensibilité. C'est-à-dire que si le niveau d'exposition n'avait pas bougé en 20 ans, si à l'époque, avec les techniques de l'époque, on aurait pu dire on détecte la molécule dans 80% de la population, aujourd'hui, avec une meilleure technique, on peut dire que c'est 100%. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'exposition a augmenté. Ça veut dire que notre capacité à détecter le chlordécone est plus importante. Quoi qu'il en soit, si on se compare... Le dépistage, en fait. On peut appeler ça le dépistage. Il faut appeler le mot dépistage, laissons-le, aux maladies. Si on compare la quantité de chlordécone qu'on a dans le sang par rapport à d'autres polluants qu'il peut y avoir ici ou n'importe quel endroit dans le monde, d'accord ? Je pense en particulier au DDT et ses métabolites, aux produits industriels de type PCB, où pratiquement toute la population de la planète on trouve ces molécules. Lorsqu'on dose le chlordécone, on est à des concentrations similaires à ces polluants, voire pour une partie de la population, à des concentrations plus élevées. Si vous faites la même analyse dans une population parisienne, ce que j'ai fait à un moment donné, sur un échantillon petit, vous trouvez ces mêmes polluants, mais vous ne trouvez pas le chlordécone. Donc, on est globalement un peu moins pollué que les populations européennes, que la France métropolitaine, si on prend toutes polluants confondus, mais on a quelque chose de plus qui ne devrait pas y être, qui est le chlordécone. Est-ce qu'il y a une conséquence d'avoir, quand il y a une combinaison de plusieurs molécules? Parce qu'en fait, C'est une vraie question, parce que sachez que nous sommes exposés non pas à 2-3 molécules, mais à des milliers, des dizaines de milliers. C'est un problème qui n'a pas, disons, de... Il est très difficile d'appréhendre cette très grande complexité de nos jours, et à mon avis, il va s'en passer des décennies. Quoi qu'il en soit, il faut être pragmatique. Lorsqu'on évalue une substance, on l'évalue une par une. Lorsqu'on étudie le chlordécone, on étudie le chlordécone avec un avantage technique, je veux dire médical, c'est que le profil toxique du chlordécone, il a plein de particularités qui en fait une molécule très différente de toutes les autres. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances que ce que nous allons étudier sur les conséquences du chlordécone soit noyé, si vous voulez, par la myriade de substances auxquelles vous sortez. Il y a la pollution atmosphérique, la pollution atmosphérique, vous avez plein de... Vous voulez dire qu'on arrive facilement à la repérer? Le chlordécone, oui. Et étudier ses conséquences sur la santé et... C'est pas simple, mais je veux dire, il y a peu de risques que ce qu'on puisse attribuer au chlordécone, ça soit vraiment le chlordécone et non pas la molécule voisine qui est à côté. D'accord. Voilà, c'est une dernière question d'André-Jean Vidal, non? Peut-être une concernant les cohortes. Vous avez parlé d'un échantillon sur l'Hexagone. Actuellement, il y a un projet pour comparer des populations ultramarines, donc Guadeloupe qui serait ou Martiniquaise qui serait en métropole à la même période, qui serait en France à la même période, des populations restées ici pour l'exposition. Assez courte la réponse. Ça mériterait une réponse un peu plus longue, parce que c'est un dossier très récent, qui est complètement, qui n'a strictement aucun sens, et qui, d'après les informations que j'ai, et mes suspicions, provient non pas, je veux dire, d'un constat factuel, scientifique, réaliste, mais plutôt d'une décision politique, et qui ne trouve pas de jugement scientifique. Moi, en tout cas, voilà, si vous me reposiez la question plus longuement, je pourrais vous y répondre. Le problème du chlordécone est ici, et la puissance publique a investi au cours de ces 20 dernières années beaucoup de moyens humains, beaucoup d'argent pour en savoir plus sur les conséquences sanitaires. On a acquis énormément de connaissances, et maintenant,
on a l'air de donner l'impression de tout ça dans le merde, tout va, alors commence à zéro. On se fiche de qui ? André-Jean Vidal, une dernière question avant de passer à la prochaine rubrique. L'indignation du professeur me plaît beaucoup. Oui, on se moque de qui ? Oui, sûrement, oui. On y viendra plus tard. On parle du nombre élevé de cancers de la prostate ici, en disant, non, c'est les populations noires qui ont une prévalence, etc. Ou, il y en a d'autres qui disent, non, pas du tout, c'est la chlordécone. Alors, dites-nous en plus, levez le voile sur, ceci. Allez. Le fait que, selon les origines des populations, il y ait des maladies plus fréquentes qu'une autre, il n'y a rien d'anormal. Je vous rappelle que la drépanocytose est une maladie génétique particulièrement présente dans les populations qui trouvent leurs origines géographiques et historiques dans le continent africain. Et la mucoviscidose est une maladie génétique fréquente qu'on trouve dans les populations blanches comme moi, ce qu'on appelle le Caucasia, peu importe où on habite. Bien. Pour le cancer, c'est pareil. Et il s'avère que le cancer de la prostate est plus fréquent dans les populations qui trouvent ses origines dans l'Afrique subsaharienne, ce qui explique pourquoi, en Guadeloupe, comme en Martinique, on trouve une incidence élevée au cancer de la prostate, mais exactement de la même intensité que dans les populations dites afro-américaines ou les populations d'origine africaine et caribéenne habitant au Royaume-Uni. Donc ce fait-là n'a rien à voir le chlordécone. Parfait. Deuxième question, est-ce que le chlordécone, tenant compte de ses particularités dont je n'entrerai pas dans les détails, peut-il ou pas contribuer à la survenue du cancer de la prostate? Et là, il y a eu des travaux, il y en a d'autres en cours dont vous aurez probablement des nouvelles d'ici à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, parce qu'on continue à travailler, et qui montrent que oui, que le chlordécone participe à un surplus, si j'ose dire, de cas de cancer. Si la problématique du chlordécone avait eu lieu non pas aux Antilles, mais dans la région Bretagne, là où j'habite actuellement, ça aurait pu se faire. Bien. Eh bien, probablement, les résultats auraient été les mêmes. Peu importe que chez les Bretons, l'incidence du cancer de la prostate est moindre que l'incidence ici en Guadeloupe et en Martinique. Donc, il faut savoir distinguer ces deux choses. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'amalgames. Là, on a les origines, la couleur de la peau, ça ne rentre absolument pas. C'est vrai que le cancer de la prostate est un cancer fréquent. Il faut y faire face. Et manque de chance ou manque de peau, mais même si on peut, voilà, excusez-moi cette façon de m'exprimer, le chlordécone en rajoute une couche. Voilà. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle tout simplement le principe de cette rubrique. Nous avons un chronomètre qui va s'afficher dans quelques instants ci-dessous. Et vous avez bien sûr, il faut répondre à un maximum de questions, on a un minimum de temps. Top chrono, c'est parti pour la rubrique 5 minutes en question. Première question, dites-nous quels produits alimentaires sont dangereux pour la consommation ici, localement en Guadeloupe ? Par rapport au chlordécone. Au chlordécone, bien sûr. Alors, les aliments qui ont plus de chances, pas tous, hein, qui ont plus de chances d'être contaminés par le chlordécone, c'est principalement les légumes racines. Et d'une façon générale, tout ce qui se pousse en dessous du sol. Et ensuite, je dirais ceux qui poussent au ras du sol. Mais plus la partie consommable est élevée, moins il y a de chlordécone, à tel point que pour vous dire, les tomates, vous voyez la distance, il n'y a pas de chlordécone, et encore moins chez tout ce qui est fruits, bananes. L'ananas, par exemple. L'ananas, alors, il est entre les deux. Il y a eu quelques données qui montraient que oui, il pouvait y en avoir, mais ça reste très anecdotique. André-Jean Vidal. Quels sont les publics sensibles ? Les enfants, les vieillards, les femmes enceintes ? Comme pour le tabac et l'alcool. Oui. Comme pour le tabac et l'alcool. Exactement pareil. Pourquoi ? Parce que les personnes vulnérables sont toujours... Alors, les femmes enceintes, les jeunes enfants en cours de développement, les personnes âgées, les personnes fragilisées, etc. On oublie souvent les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, parce que les modes de vie aussi contribuent à ce qu'on appelle les inégalités environnementales de santé. Et ça, il faut y penser. Et
Le chlordécone, c'est un agent qui vient de l'extérieur, c'est comme l'alcool, c'est comme le tabac. Donc, la réponse est à peu près la même. Voilà. Jacques, pour Nouvelle Semaine. Oui, moi, on ne parle jamais des produits transformés, parce qu'en fait, on se dit, bon, effectivement, manger d'une patate douce ou du manioc, par exemple, bon, on se dit, c'est une tubercule, donc c'est sous terre. A priori, c'est contaminé, mais lorsqu'on en fait de la cassave, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a de la farine? Est-ce que, oui, c'est-à-dire que si un produit est contaminé d'origine, ça ne disparaît pas dans la transformation. Sa transformation ne va pas faire disparaître la molécule. Alors c'est vrai que si vous prenez les légumes racines, on sait que le chlordécone se concentre essentiellement dans la partie la plus superficielle. Alors si vous faites du cassave uniquement avec la partie très le cœur, je dirais, du manioc, bon, bah, une chance. On peut continuer à en manger. Enfin, transformer ou pas transformer, si vous avez un poulet qui est contaminé parce qu'il picore sur un sol contaminé, que votre escalope de poulet soit, vous la transformiez, vous en faisiez des nuggets ou des coquettes ou ce que vous voulez, ben, il y aura toujours le chlordécone dedans. Il nous reste à peu près 2 minutes et 25 secondes. Comment peut-on éliminer ou diminuer le taux de chlordécone dans son organisme? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que c'est plus d'eau, par exemple. Non, rien de réponse. C'est-à-dire, faut-il prendre quelque chose, un médicament, quelque chose qui va nous dépolluer? Bon. Cela a été utilisé aux États-Unis lorsqu'il y a eu les travailleurs exposés, mais les pauvres, ils étaient à des niveaux extraordinaires. Voilà. Et ils étaient malades. Et il y a eu des traitements. Si on disposait, par exemple, des pilules, je ne sais pas, la population de charbon actif ou d'autres choses, on entraînerait par l'usage donc d'une molécule pharmacologique plus de dégâts que de bénéfices. Ça, il faut les comprendre. Votre vraie question, c'est, et c'est la seule question à laquelle on doit se poser, comment on fait pour réduire l'exposition de la population? On connaît très bien les sources. Les végétaux dont j'ai parlé, les légumes racines, mais aussi malheureusement la viande, le poisson, voilà. Donc de toutes les zones littorales en aval, de toutes les zones. Le crabe par exemple. Le crabe, il est connu depuis. Il mange des détritus, il accumule de tout. Le wassou, la langouste. Pardon. Le wassou, la langouste. Le wassou, la langouste, ce sont toutes ces espèces. Alors, c'est quelque chose à éviter en fait pour diminuer le taux. Alors le problème à éviter, et je crois qu'il faut éviter de faire passer le message. De dire, il faut éviter de... Alors, éviter, lorsque vous allez en Guadeloupe, de manger du manioc, de manger de l'igname, de manger de la dachide, de manger de la langouste, de la manger du wassou, de manger du vivano. Enfin, pas du vivano, il vient de plus loin, mais... Les carottes, les pommes de terre, les navets... Oui, mais enfin, les pommes de terre, ils viennent en général de la Somme. Mais les carottes, on en fait ici, les navets, on en fait ici. Oui, tout ça aussi, c'est pareil. Il faut le dire, etc. Aussi, parce qu'on se limite souvent aux ignames. Si on raisonne comme ça... Vous arrivez ici, pour quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, on leur conseille de venir avec leur panier repas. Bon, non, là, c'est pas la bonne solution, hein, parce qu'il faut bien qu'on mange et qu'on vive, si possible, de produits locaux. Bon, là, c'est toutes les politiques publiques qui doivent faire face à leurs responsabilités, et attention, bien sûr, ça coûte de l'argent. Parce que derrière tout ça, il y a des indemnisations de pêcheurs, il y a une indemnisation de travailleurs, et... tout ça, ça coûte énormément d'argent. Donc, la seule solution, c'est que les politiques publiques puissent adopter, et pourtant ça fait des années que c'est connu, adoptent les politiques courageuses, même coûteuses, mais il faut aussi que l'État prenne en charge sa responsabilité, car on ne serait pas arrivé à la situation de Somme s'il n'y avait pas eu les autorisations formulées par les autorités de l'État dans les années 80. Donc il y a bien un responsable. Vous qui avez un nom reconnu internationalement, une expertise reconnue internationalement, qui avez fait des études, vous rencontrez ces autorités, vous leur dites tout ça, je suppose. Oui. Quelle est leur réaction? Et avez-vous le sentiment que ces gens-là vont prendre leurs responsabilités? Je dirais qu'au niveau des administrations centrales, là où vous avez des gens, surtout dans les sous-directions, dans les bureaux, qui sont toujours permanents au cours des années, oui, ils en sont parfaitement conscients. Oui, mais lorsque vous parlez des directions des administrations centrales, ou lorsque vous parlez des secrétaires d'État, lorsque vous parlez des ministres, lorsque vous parlez des élus, qui à un moment donné peuvent prendre conscience, mais lorsqu'il y a un nouvel élu qui arrive 5 ans plus tard, qu'il ne connaît pas, plus du tout. Donc, il y a, je veux dire, dans les sous-directions et petits bureaux de l'administration française, des gens qui connaissent le dossier, mais ce n'est pas eux les décideurs. C'est ça.
Top, c'est fini. On a bien dépassé les 5 minutes qui étaient accordées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause.